On a souhaité faire un bilan de mi-saison avec Laurent, avec les actionnaires, avec François. Et dans ce cadre-là, on a pris nos responsabilités de chaque côté et on a décidé de se séparer. C'est chouette, hein ? Moi, mon objectif, c'est de performer. Et qui dit performer, dit aller chercher ce maintien le plus rapidement possible. S'il intervient à la dernière journée, ça me plaît, ça m'ira aussi. On sortait d'une série négative et on a fait une belle performance là-bas, je pense. Malgré bon, le rouge nous a facilité la tâche, mais je pense qu'on méritait de gagner et ça a été un bon match pour toute l'équipe. Forcément, c'est dur parce que tu fais deux grosses défaites. On est un petit peu dans un tournant de la saison où tu te dis que voilà, maintenant, il ne va plus rester grand-chose, qu'il faut prendre des points. Mentalement, on ne va pas se mentir, hein, on était tous un petit peu dans le dur. Je trouve que mes joueurs n'ont pas failli mentalement. Quelqu'un d'optimiste et je suis quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Il y a l'envie, le cœur, les duels. On parle de duels, alors c'est un peu à l'ancienne. Mais quand on veut se maintenir, on doit gagner plus de duels sur le terrain. Je pense qu'avec le recul, c'est une période qui nous a aidés parce qu'on a su aussi se remettre en question, voir se dire des choses, voir ce qui allait pas, ce qu'on pouvait améliorer nous, ce qu'on pouvait améliorer avec le staff. Et puis on s'est rendu compte sur ces trois derniers mois que voilà, ça a payé et on a réussi tous ensemble et ça c'est super. Dis-le au garde, hein! Oh, mais c'est pas laisse! C'est un truc de fou, voilà, je te jure que c'est un truc de fou. Vraiment, dans ton casier, tu dois avoir un truc qui traîne. Ah, ouais, c'est sûr, il y a un truc qui traîne dans le jeu. Ça part d'un. Tu prends un coup de carité? C'est aussi important de ne pas lâcher à ce moment-là. Et de ne pas tomber dans « c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel ». Voilà, l'essentiel, c'est qu'on a réagi derrière. Et qu'on voilà, est allé chercher les points qu'il fallait. Pas dans le montage, ça. Julian, tu restes là. Juste. Dylan, tu peux me mettre des centres dans sa zone à lui. Tu vois, il va être dans la zone défensive. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Julian. Juste, il met 4-5 ballons. Juste sur... Vas-y. Voilà, c'est ça. Donc après, ton but. Le truc parfait, c'est là-bas. Parce qu'en fait, t'as Johan qui est là-bas. Le truc parfait, c'est là-bas. Le truc où tu la sens pas trop, c'est... Tu la touches à peine qu'elle aille là-bas. Ça me va, Julien. Mais c'est juste là, il faut vraiment qu'on t'entende, que eux sachent que c'est toi qui es là dans cette zone. Il n'y a personne d'autre. Oh, mais je... Si je peux en prendre une, on fait trois touches. Attends. On a mis là-bas. Vas-y. On regarde. Ça tremble pas. Vas-y, plonge pas, Sept, casse pas les couilles. Ah mais je pense que j'avais oublié.
Tu devrais pousser un peu plus, Seb. Ah, c'est de la faute du terrain. Ah oui. Je la prends une, s'il te plaît, yo. J'en fais une seule. Du, Seb. Sans les mains. Ouais, c'est moi. Ah non, mais vas-y. Au sort. Tu vas se mettre, Richard. Oh, c'est génial.